Allô, papa? Bon, c'est Hayawan. Barakallahu fi. Dégagez! Papa! Fils de pute, là. Caca! Ah, caca! Caca, oui! Caca! Mais quelle honte! Quelle honte, frère! Trop de balles, bah. On a envie de... Bon, là, je vous fais des gros bisous, les gens. La tête de ma grand-mère. Tonnerre de Brest, bordel de Bordeaux. Ah putain! Putain! Ouais! Oh, ouais! Oh, pochon! Wallah, c'est pas bien! Wallah, on arrête avec ça! Non, mais. Tam, tu je vais prendre le. Allô? Oula! Ça pue le protoxyde d'azote? Non, merci! Je connais pas votre hymne, mais wallah, on applaudit pendant une minute. J'ai coupé Sky pour éviter la musique. Big respect à lui. Inch'Allah, président à vie, Bouteflika. Moi, ça m'effraie pas. Wallah, elle m'effraie pas, les histoires. Ah, Bassem, là-bas, il y a un genou. Vas-y, viens, on y va et tout. Wallah, viens, on y va. On le chabe, on l'appelle. Tiens, on l'appelle. Vous avez tous, les gens, vous avez tous au quartier un sifflement où vous vous reconnaissez. Nous, c'est... C'est ça, nous, à l'époque. C'était ça, nous. Voilà. C'était ça, nous, à l'époque, ouais. Vous, c'est pas comment c'était. Bah, écoute, frère, moi, j'ai pas peur de ces histoires-là. Wallah, j'ai pas peur. Je vais voir le djinn normal. Wesh, Franjo. T'as pris ton kahwa, il est fini, là, regarde. Il est là, mon parent, mon frérot, regarde. Nespresso, un Kinder Bueno, frérot. Tout ceci, tu le fais passer avec un Perrier citron vert. Il est là, le cave. Ça y est, il est bien passé, le caro. On en a bu deux, wallah. Et la meilleure, c'est la goutte froide de la faim, la plus sucrée. Tonnerre de Brest, bordel de Bordeaux. Oh là 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 là. On dirait que tu bois du Stay, 12 ans d'âge, du Chivas, frère. La dernière goutte avec du sucre. C'est pour ça que les tunards, quand ils vont dans les cafés, ils croisent leurs jambes. Ils fument un paquet de clopes pour cette goutte-là. Pas de soucis. Je te laisse finir. Merci en tout cas, parce qu'on a énormément de monde. En plus, évidemment, nous avons décidé de faire la pause tout le temps à l'heure de la prière pour les frères qui nous regardent et nous tous, parce que quand c'est l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, mesdames et messieurs. Voilà. Donc voilà, c'est très important. Hein. Certains diront, ouais, mais t'es bois du halib et tout. Bah, je fais comme ton père a fait à ta mère, c'est tout. Je fais rien d'autre. Alors voilà. Kylian Mbappé veut se barrer du PSG. Ouais, en janvier. T'as ça rime. Mbappé, PSG, janvier. Mbappé, et quand c'était Fekir, l'arabe, Fekir. Donc moi, c'est mon avis. Voilà, c'est mon avis. On ne fait pas monter les voix du FN. Le FN, il va passer tout seul avec tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'on vous appelle au vote, bande de Hamar. Parce que cette fois-ci, c'est pour eux. Continuez à dormir. Lui qui parle au téléphone, là, lui qui parle au téléphone, il a 21 ans, il va voter. Toi, 21 ans, le rebeu, le renois, avec des ballons. Et à la fin, tu vas nous dire, c'est des racistes. Va vous faire enculer. Ah, excuse-moi, moi j'ai rien coupé, putain de merde. Ouais. On est pire que des ML, on va niquer à droite et à gauche. Frère, il y a que ces femmes-là qui nous attirent apparemment. Les femmes qui marchent avec leur gros cul plein de merde. Un jour, j'ai vu un mec, il est rentré dans un poteau. Par Allah, il est rentré dans un poteau. Dans ma vie, j'en ai vu deux rentrer dans un poteau. Un parce qu'il regardait un cul, et l'autre, c'était trois bonhommes en Clio Bull, ils me regardaient. J'étais à la pompe à essence, par Allah, ils sont rentrés un tout petit peu dans une voiture. Le pare-choc, il était par terre, ils sont venus me serrer la main. Oh, Franjo, ton pare-choc, il est au sol. Tiens, ça, en vrai, je te parle. Allô? Allô? Allô, tu m'entends? Tu m'entends, toi? Ouais, je t'entends. Allô? Ouais, nickel. J'aime pas ta voix de fils de... Wallah l'azim.
Excuse-moi, j'ai raccroché sans faire exprès. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô, Salem, tu peux baisser ton live, s'il te plaît. S'il vous plaît, Raham Boukoum, baissez votre live. Vous passez pas sur CNN, hein. Baissez votre live, s'il vous plaît. Qu'on puisse s'entendre, débattre comme des gens normaux. Bande de Hayawen, j'ai jamais vu ça. Frérot, Salem Alikoum, je t'écoute. Salam, frère. Ouais, voilà, moi, j'aimerais parler. Ah, allô. Oui, vas-y, frérot, je t'écoute. Ouais, allô, tu peux me rappeler, j'ai plus de crédit. Tu veux que je te... Ouais, attends, je vais te rappeler. Allez, pin. Mister You, Yugataga, que je connais très bien. Frère Younes, il me l'a dit de sa bouche. Moi, il m'a dit, avant qu'il fait sa vidéo, il me l'a dit. J'en ai marre de ces gens, ils pensent que je suis un imam. Les gens, ils vont le voir, c'est quand l'Eid. Moi, ils viennent me voir, c'est quand la nuit du destin. Est-ce que j'ai une tête à te guider? Moi, je te guide vers des saints. L'autre, il me dit, elle est où la nuit du destin? Mais tous ces gens-là, c'est des suceurs. Eux, c'est des larsa, eux. Parce que tu vas sur Internet, tu vas voir un imam, tu ouvres le Coran, tu te démerdes, mais tu vas pas demander à Shaima de Pattaya, c'est quand l'Aïd. Faut arrêter quand même, là. Je sais quoi, tu demandes à ton daron, je sais quoi. Non, ils demandent pas parce que c'est des suceurs. Ils ont envie que la personne leur réponde. Merci, barakallahu fik. Quelle honte, mais quelle honte, quelle honte. Frère. RMI CDI. RMI CDI. Ça y est, on l'a trouvé. On avait le RSA USA. Maintenant, on a le RMI CDI. Oui, on va débattre ce soir. Remplis le frigo avant. Tiens, est-ce que tu veux qu'on aille le voir? Tiens. Est-ce que tu veux qu'on aille le voir? Ce soir, je vais me faire une raclette, je crois. Tiens. Est-ce que tu veux qu'on aille le voir? Oula. Après, vous allez encore dire, ouais, Bassem, tu as des Kinder Pingouis dans ton frigo. Cache tes bonnes actions, frère. Cache tes bonnes actions. Je vais ouvrir le frigo, les yeux de ma mère, même ta mère, elle va se dire, je veux être dans cette cuisine-là, fils de pute. Là. Alors, pour finir avec nos histoires de téléphone, et déjà, merci beaucoup d'avoir évoqué ce sujet. On n'en a jamais parlé, et c'est vrai, tu as raison. Big dédicace à tous nos papas. Quand tu les appelles, pourquoi ils répondent jamais? Parce que le temps qu'ils arrivent. La première sonnerie, il va regarder le téléphone. La deuxième sonnerie, il va prendre ses lunettes. La troisième sonnerie, il va les mettre. La quatrième, il va reculer. La cinquième, il va vouloir te répondre et toi, t'auras raccroché. On les aime, nos papas. Là, mort, voilà. On les aime, les papas. RMI, CDI. RMI Kinder Pingoui. Sur Nick the Bitch, je vais aller en prendre un. Nick the Bitch, je vais aller en prendre un. Voilà. Vous m'avez énervé. Voilà. Voilà, voilà. 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 Voilà, vous m'avez énervé. Vous m'avez énervé. Vous m'avez... Ah, il en manque une. Il faudrait qu'on en rachète, là. Merde, il en manque une. Un petit Kinder Pingoui. Allez, un petit Pingoui. Merde! Mais moi, je vais être sans pitié avec elle. Les filles qui vont à la salle de musculation avec moi, j'ai un message solennel à vous faire passer. Le premier Nelson que je vois traîner à côté de vous, vous ferez la une des journaux. Voilà, t'as raison. Sur la tête de ma mère, je serai sans scrupule. Ah, ouais. La première hijbée de merde que je vois à la salle faire des squats, je fais un live et ben Instagram sur le champ. Oh là. Donc, évitez-moi. Évitez, quand je rentre dans la salle des poids, allez sur le vélo là-bas. Dégagez. Dégagez de là-bas. Alors là, attends, je vais me gêner, tiens. Alors là, mon pote, je vais me gêner. Je vais me gêner. Ces femmes-là ne mettent pas, ne s'assoient pas là où je mets mes gros pieds. Non. C'est-à-dire que si elle a une après-midi entre filles, moi, je suis pas le genre de mari qui rentre à la maison. Salut, ça va, vous allez bien? Je rentre pas à la maison. Moi, je reste dehors, au quartier, chez ce qu'est choix, tranquille. Je préfère qu'elle soit chez moi, qu'elle reçoit chez moi, qu'elle aille chez les gens, que les gens, ils les filment en sous-marin, que non. Chacun fait comme il veut. Moi, c'est comme ça que moi, je pense. Parce que moi, je comprends pas les mecs qui rentrent, il y a leurs femmes, elles sont là, ils s'assoient, ces fils de pute, ils font leur café, ils le touillent.
Des vrais bâtards. Ils sont là et tout, ils écoutent les conversations de meufs. Et Zama, il fait le coq dans un poulailler où il y a que des crasseuses. Trou de balle, va. Moi, ni elle me voit, ni elle parle avec mon paf, ni voilà. Non. Ouais, c'est des tahans qui font ça exactement, frérot. La tête de mon père, on est aux terrasses du Beaujolais. Guettez. Ils font des gâteaux, tu colles l'embrayage. Chab Kader, tu peux faire un tour du gâteau à Aïchi Franjo. Oh, ça c'est un millefeuille, il y a vraiment millefeuille dedans, c'est un truc de fou. C'est des méchantes pâtisseries. Ça, c'est un chef du Beaujolais, il a les joues tout roses. Il est là, wallah, tu le vois, c'est un halouf. Il fait des méchantes pâtisseries. Guette le Paris-Brest. Regarde, il est aussi immense que la vraie ligne Paris-Brest. Il y a autant de bornes. Regarde, le millefeuille, non. Terrasse du Beaujolais, c'est de la dynamite, la tête de ma mère. Il y a des gâteaux, franchement, je vous le conseille. Voilà, c'est l'histoire réelle avant que tu me prêtes pour un fake ou quoi. Ah, là, rien qu'à ta voix, j'ai pas confiance. Voilà, t'es un 7-tout, toi. T'es un. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, frère, vas-y. Non, je vais. Wallah, l'Azim, c'est grave. Quand vous rigolez, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Ça craint, mon frère. Wallah. Mon frère ou ma soeur, je ne sais plus quoi dire. Moi. Quel rire de... T'écoutes, Weshden, toi, ça se voit. C'est sûr. C'est sûr et certain. T'as déjà touché le paf à ton pote. C'est sûr. Dans une Clio qui n'avait pas de chauffage. J'en suis sûr. C'est sûr. Hey, pars-toi de là, va. Hamdoulek, mon fils, quand il m'appelle, il a 17 piges. Allô, papa. Voilà. Les chiens ne font pas des chats, bordel. Ouais. Salam alaikum, frérot. Titain, 16h déjà, ça passe vite, le bracelet. Merci de me le faire rappeler, les gens. Vous êtes au top du top, wallah. Je vous aime. Vous me faites rappeler, Bassem, Andek, rentre chez toi, le bracelet. Wallah, vous êtes au top, les gens. Merci, Rifien25, par exemple. Ah, c'est pour ça que je vous aime bien. Moussouari aussi, pareil. Wallah, je vous aime bien. Vous êtes là. Même si vous m'appréciez pas, Andek, Bassem, on a envie de te voir demain. On a envie de... Wallah, je vous fais des gros bisous, les gens. La tête de ma grand-mère. Wallah. Ah, voilà, on dirait que je suis de votre famille. On dirait... Je vous kiffe. Allô? Ouais, frérot. Bah, en fait, pour raconter une petite anecdote, donc, c'était quand j'étais petit, donc vers le collège. Ouais? Allô? Vers le collège, donc. Allô? Oui, allô, je t'écoute. Ouais, du coup, en gros, c'était quand j'étais vers le collège, donc c'était vers la 4ème. Et en gros. Caca! Ah, caca! Caca, oui! Caca! Et après? Tu as tiré la chasse d'eau? Zombie! Non, mais calme-toi! Arrête de faire le hagoun! Calme-toi, tranquille! Et non. Après, tu as fait quoi? Hein? De quoi? Et après, tu as fait quoi après? Après? Mais je comprends pas, t'es pas assez intelligent pour parler normalement. On sait que t'es un troll, mais, tranquille. Mais ça bug! C'est gros, ça. Arrête de dire ça bug, t'as tellement rien à dire, tu es tellement bête. Parle-nous de vraies choses. Et oui! Hein? Non, sérieusement, en fait, c'était lors d'un entretien. Algorithmique. Donc en fait, faut savoir que à cette époque, c'était. Je m'en bats les couilles.